Alors, je vous réexplique rapidement comment remplir votre tableau Excel. Je vous rappelle que vous aviez mesuré plusieurs choses. Vous aviez mesuré, par exemple, on va dire que votre chrono, il n'était pas exactement ici, mais il était ici. Vous avez mesuré une distance ici, qu'on a appelée la distance au point A, et on peut calculer du coup aussi la distance au point B, qui serait cette distance-là, distance au point B. Hein, donc on a deux distances. Il y avait deux chronos. Le chrono de celui du binôme qui était au milieu, je vous rappelle que ce chronomètre, il a mesuré le temps réel qui s'est passé entre les deux claps, parce que le son a mis un peu de temps à arriver pour déclencher le chrono, mais il a mis exactement le même temps pour venir arrêter le chrono. Donc au final, ce chronomètre a bien mesuré l'intervalle de temps entre les deux claps. Alors que ce chronomètre-là, il s'est déclenché avec un retard qui est lié au temps que le son a mis à parcourir la distance DA, mais au lieu de s'arrêter avec un retard équivalent, il s'est arrêté avec un retard beaucoup plus important qui est lié à toute la distance DB qu'il a fallu pour que le son vienne déclencher Fifox. Donc si vous calculez la différence entre ce temps-là, enfin entre la différence entre ces distances, qui va vous permettre de calculer une différence de temps, la différence entre ces distances, ça va être donc dB moins DA. Alors attention, dB moins DA, c'est si votre chronomètre était plus proche du point A. Si vous aviez le cas de figure où votre chronomètre était, je vais le faire en vert ici, par ici, hein, vous, ce qui va vous intéresser, le son, c'est le DA qui va arriver avec un peu plus de retard, ça serait DA moins dB. Peu importe au niveau du sens, au final, vous calculez une vitesse, vous savez bien qu'il va falloir que ça soit positif. Donc il faut s'assurer que c'est de prendre la valeur positive de ces deux chiffres pour votre calcul. Donc, DA moins DB, c'est des valeurs que vous avez mesurées en classe. Vous avez mesuré au moins l'une des deux. Par exemple, vous avez dit, OK, moi je suis à 60 cm de mon chrono. Et vous savez que la distance totale, pour nous, dans notre TP, c'était 9,64 mètres. Ça, c'était D, 9,64. Donc, si vous avez 60 cm ici, ça veut dire que DB valait 9,64 moins 0,60, c'est-à-dire 9,04 mètres. Ça, c'était votre calcul de distance. Donc, quand vous allez retourner dans le tableau Excel, vous scannez le QR code qui est dans le document, ici, vous allez avoir un écart de distance à mettre. Alors là, j'ai commencé à mettre des valeurs. Bon, par exemple, 8,43. Hein, dans l'exemple que je vous ai donné ici, c'était 9,04. On va dire que là, c'est un autre binôme qui a placé son iPad à un autre endroit, ils ont mesuré 8,43 mètres. Ça, c'est l'écart de distance entre la distance la plus courte, la distance la plus longue, moins la distance la plus courte pour l'iPad qui n'était pas au milieu. Et ensuite, vous allez placer vos deux chronos. Alors, tous les chronos 1, ici, qu'on voit toute cette colonne-là, c'est les chronos, justement, de mon iPad qui n'est pas au milieu. Et chrono 2, ça va être l'iPad du milieu. Et vous allez mettre toutes vos valeurs de chrono. Souvenez-vous, il peut y avoir des mesures qui n'ont pas fonctionné. Donc dans ces cas-là, vous ne faites pas le calcul pour ces lignes-là. Si ça n'a pas fonctionné soit sur le 1, soit sur le 2, il faut oublier la ligne. Voilà, si par exemple ici on avait... Hop, je vais mettre une autre valeur. 3, 5, 6, 7. Mais je n'ai pas la deuxième mesure. Et qu'ici j'avais 2, 6, 7, 8, mais que je n'ai pas la deuxième mesure, ces deux lignes-là, je ne vais rien pouvoir en faire. Ce n'est pas très grave, on en a fait suffisamment normalement pour en avoir des exploitables. Donc ça, c'est nos deux chronos. Si on connaît la distance, l'écart de distance, ce qui nous intéresse, c'est l'écart de temps. Parce que si vous connaissez l'écart de distance et l'écart de temps, vous pouvez calculer la vitesse. On sait que la vitesse, c'est la distance divisée par le temps qu'il a fallu pour parcourir cette distance. Donc, on connaît de distance, on va faire la différence de 1,376 moins 1,345 pour obtenir le résultat. Une petite parenthèse avant de rentrer là-dessus. Moi, ici, mon séparateur de virgule, c'est des points. Vous, c'est plutôt des décimales, normalement, sur vos iPads. Peu importe, utilisez le bon séparateur pour que ça fonctionne. Si il faut mettre la virgule, parce que sinon, vous allez avoir des millisecondes et vous n'allez pas calculer des vitesses en mètres par seconde. Si vous avez des problèmes de décimales, cliquez ici sur, quand vous êtes dans Accueil et sur Format de nombre, vous pouvez ajouter ou enlever des nombres de décimales. Donc gardez bien 3 décimales après la virgule, c'était la précision de Fifox.
Ensuite, pour calculer votre écart, vous n'allez pas prendre votre calculatrice et faire le calcul. Vous allez directement dans Excel, insérer une formule. Pour insérer une formule, vous allez taper « égal ». Dès qu'une case commence par le caractère « égal », Excel sait qu'il doit calculer une formule. Et ensuite, vous allez tout simplement toucher les cases que vous voulez utiliser. Par exemple, j'ai utilisé « chrono 1 », donc automatiquement, il remplace par « B7 ». Vous auriez pu taper directement « B7 » ici, tout en haut. Je vais le faire pour la deuxième partie. Ça revient au même, c'est-à-dire le contenu de la case B7, okay, qui est 1,376, moins, parce qu'on veut faire la différence, le contenu de la deuxième case. Alors, je pourrais tout simplement cliquer dessus, mais je peux aussi taper C4. Et automatiquement, vous voyez, il me l'a mis en surbrillance, en rouge, parce que c'est la case où il y a l'écart de distance. Voilà, si je fais entrer, automatiquement, il m'a calculé la valeur qu'on a ici. Alors, pourquoi j'ai pris C4? Je vous dis n'importe quoi. On fait la différence des chronos, c'est pas du tout ça que je veux calculer, c'est pas C4, c'est la case qui est à côté, dans chrono 2, on a l'intersection de la colonne C et de la colonne 7, c'est C7, pas C4. C7, alors si je mets... Ouais, il ne tient pas compte des majuscules, même avec des minuscules, ça a marché quand même. B7 moins C7, ok, donc ça c'est le calcul automatique de mon écart. Ensuite, vous allez pouvoir maintenant calculer cette vitesse. Vous connaissez la distance c'est ça, vous connaissez le temps, c'est ça, vous allez faire une nouvelle formule, vous dites, ok, c'est une formule, je mets un signe égal, je prends ma distance, je la divise avec mon signe divisé par le temps, je touche la case D7, il me met D7 à la place, et automatiquement, ça m'a calculé ma vitesse du son. Pour cette expérience, j'ai une vitesse calculée, pour ces premiers claps, en fait, j'ai une vitesse du son calculée de 271,9 mètres par seconde, ce qui n'est pas si mal, parce que voilà, on était dans la salle de classe, on n'a pas des distances énormes, avec le matériel qu'on avait, tout simplement d'utiliser le capteur de votre iPad, on est quand même arrivé à l'ordre de grandeur. Je vous rappelle que le son, c'est 340 mètres par seconde. Alors, ce n'est pas fini pour Excel. Il faudrait faire le calcul pour les cases suivantes. Alors, vous pouvez recopier toutes les formules, mais c'est un petit peu fastidieux. Il y a une astuce qui consiste à automatiquement... Je vous montre, je vais le faire d'abord sur les 40 secondes. Vous touchez la case et dans le menu, vous avez un mode remplissage. En anglais, ça sera « fill ». Si vous cliquez là-dessus, automatiquement, ça devient des petits carrés. Vous pouvez prendre le petit carré, hein, les coins de votre... Là, c'était des ronds. Si vous cliquez sur remplissage, ça devient des carrés. Et ce petit carré, vous pouvez le tirer comme ça. Et là, par exemple, je vais le tirer pour les trois mesures qui ont marché ici. Bon, j'aurais pu toutes les prendre et puis après effacer celle que je voulais pas parce que les mesures n'avaient pas fonctionné. Et on voit qu'automatiquement, il m'a recopié les formules. Mais attention, il ne m'a pas mis B7-C7 partout. La ligne suivante, comme c'était une ligne plus bas, il a fait du B8-C8, ce que vous pouvez voir tout en haut, B8-C8. Et ensuite, B9-C9. Voilà, on pourrait faire la même chose ici, mais on va avoir le problème suivant. Je fais mon remplissage, je tire mes formules. Ah, qu'est-ce qui se passe là? On a un problème de calcul. Bah oui, parce que mon C4-D7, quand je l'ai tiré, il l'a transformé en C5-D8. Et autant je voulais utiliser D8, qui était mon écart que j'ai calculé là, autant par contre... Ma distance, c'est toujours la case C4. C'est pas, ça ne devient pas la case C5, la case C6, etc. C'est toujours ma case C4. Donc, il y a une astuce ici, c'est qu'au lieu d'utiliser C4, on va utiliser, je clique dessus, modifier le type de référence, et on va utiliser $C$4. Vous pouvez aussi taper directement $C$4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va faire glisser, essayer de recopier comme ça cette formule avec le petit carré qu'on tire vers le bas, il va conserver la référence de ligne et la référence de colonne, et on utilisera toujours exactement cette case écart de distance. Voilà, donc là, je valide, et maintenant, si je recommence ma petite manip, je touche, remplissage, je tire vers le bas, automatiquement, il m'a décalé, c'est-à-dire qu'ici, il m'a décalé, mon D7 est devenu D8, mais par contre, $C$4 est resté $C$4. Et pareil pour la case suivante. Et donc là, on voit que j'ai trois valeurs différentes qui sont 271, 221, ce qui est un peu plus loin, 301, qui est pas mal, on se rapproche de notre 340 mètres par seconde. Une fois que vous aurez fait vos 15 mesures,
vous pourrez calculer, on va dire que, bon, moi je vais m'arrêter à trois mesures, mais je vais pouvoir calculer une vitesse moyenne. Comment est-ce qu'on calcule une vitesse moyenne? Vous savez calculer vos moyennes avec votre calculatrice, par exemple, mais dans Excel, c'est beaucoup plus facile. On peut utiliser une fonction qui s'appelle, alors soit moyenne si vous êtes en anglais, soit average si vous êtes en français, average si vous êtes en anglais. Donc vous allez utiliser la fonction moyenne. La moyenne, il faut lui indiquer tous les nombres que vous voulez dans votre moyenne. Ben, moi, tous les nombres que je veux, c'est, je l'ai choisi ici, c'est ces trois-là. Je valide et automatiquement, il m'a calculé la vitesse moyenne du son avec les trois mesures que j'ai fait ici. Donc voilà, ça c'est le travail que j'attends de vous pour compléter ce fichier Excel. Donc essayez de le faire tous indépendamment. Je vous rappelle que ceux à qui manquait les mesures du milieu, Philo vous a envoyé ses valeurs. Et pour ceux à qui manquait les mesures soit du côté du point A ou soit du côté du point B, on pourra utiliser les valeurs que nous a gentiment passées Hélène. Donc vous pouvez réutiliser ça uniquement si vous manque vos valeurs. L'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser vos valeurs à vous. Voilà, bon courage, j'attends vos fichiers Excel.